Salut à tous et à toutes, c'est Crystal et bienvenue dans l'alpha de DayZ. Enfin, je me le suis acheté, enfin le jeu, l'alpha est sorti il n'y a pas très longtemps, il me semble que c'était le 16 décembre. Bref, on va vraiment passer tout ce qui est mécanisme du jeu, je suis pas là pour vous expliquer un petit peu comment ça marche. Je pense que vous êtes bien plus informés que moi, je suis un petit noob sur le jeu pour le moment. Alors vous voyez que mon personnage, je viens juste d'apparaître, je suis apparu sur la côte là-bas, en slip avec un crabe dans le caleçon. Donc j'ai fait quelques mètres, je suis arrivé juste à côté d'un camp militaire, ça c'est top pour pouvoir se stuffer. Donc aujourd'hui, petite vidéo, on se stuff, si on trouve des personnes, on va essayer de négocier, alors je leur plombe le dos. Regardez, on est aux alentours d'une 25-30 personnes sur le serveur. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, les serveurs ne peuvent accueillir que 40 personnes. Et les développeurs ont annoncé, il me semble, qu'au final, les serveurs pourront accueillir une centaine de personnes lorsque le jeu sortira en version finale. Il y a des lags, comme vous avez pu en être témoin à l'instant. Le jeu est pas super bien optimisé, mais ça viendra par la suite. Donc, je pense que j'ai fait rapidement le tour des choses importantes à vous dire pour pas que vous soyez perturbés au cours de cette vidéo. Au cours des freezes, des lags, des drôles de bugs que vous pouvez voir au niveau des zombies, même si je pense qu'ici, dans cette zone, il n'y aura pas beaucoup. J'essaie de me trouver surtout un sac à dos qui me permettra donc de transporter beaucoup plus d'éléments, même si j'ai un pantalon. Alors là, il y a une lampe torche, j'en ai déjà une, et des piles, j'en ai déjà. Et il y a un accessoire pour une arme, pour une M4, mais pour le moment, j'ai qu'un pistolet. Alors j'ai trouvé un pistolet avec, regardez, je me mets en première personne, avec un viseur, et il y a des balles, il y a 15 balles dedans, donc ça c'est tip top, franchement. Si je me tombe sur une personne, comme ça j'aurai de quoi me défendre. C'est très très important sur le jeu. Néanmoins, si je tombe face à un zombie, je vais devoir courir parce que je vais pas notamment. Oula, je vais pas essayer de user mes balles qui sont assez rares dans le jeu. Pour en trouver, il faut quand même bien chercher. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est toujours des lunettes pour des M4. M4 qui est un fusil d'assaut dans le jeu. Vous avez également une arme qui est le Mosin, il me semble. À moins que je fasse une erreur. Vous avez des armes de corps à corps, bien entendu, des chaussures j'en ai. Ne vous inquiétez pas, là je fais un petit peu le tour du camp parce qu'il y a quand même pas mal souvent de stuff dans ce genre de camp militaire. Et puis après on ira au niveau de la base, là-bas la base aérienne, pour voir s'il n'y a pas un petit peu de quelques personnes. Tout à l'heure j'ai aperçu un mec qui courait, il était stuffé mais il avait pas d'arme à feu, du moins ce que j'ai pu observer lorsqu'il courait, il avait un pied de biche. Mais il y avait par contre un sac, donc si je le retrouve, désolé, mais moi, je vais me faire justice moi-même. C'est parce que, franchement, ça sert à rien, il me faudrait vraiment des habits. Des habits, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que là, pour l'instant, je suis un petit peu en caleçon. J'ai trouvé qu'un pantalon de chasse. Bon, il n'y a rien, mais écoutez... ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller se diriger vers ces bâtiments que vous voyez juste derrière là-bas, des grands bâtiments. Il y a ici une tour où il y a pas mal souvent de stuff. Par contre, il me demande de boire, voilà, thirsty. Vous avez pu apprécier mon accent anglais des plus épiques. Allez, go, on y va, on va y aller. Alors c'est vrai que vous allez certainement voir mes déplacements qui sont pas du tout, comment dire... réfléchir, comme je dis, je n'ai pas joué au mode sur Arma 2, je découvre un petit peu ici avec ce jeu, avec ce standalone. Donc pour tous les gros vétérans du jeu, ne m'en voulez pas. Je fais attention, j'essaie de regarder s'il n'y a pas... les portes sont fermées. Ah, ça lag, ça m'énerve. Alors ça franchement, il va falloir qu'ils essayent de faire quelque chose, car j'ai déjà suivi quelques astuces pour pouvoir améliorer les FPS. En campagne, il faut savoir que je suis aux alentours de 80 FPS et en ville, je suis aux alentours de 40-30 FPS, c'est pas beaucoup. Mais je comprends pas pourquoi j'ai des chutes qui descendent des fois jusqu'à 10 FPS, comme vous voyez, des fois ça freeze. Je ne peux strictement rien faire et tout le monde est dans le même cas que moi. Donc c'est assez chiant, franchement. Je sais pas comment ils vont faire pour optimiser tout ça. Alors, il y a une oula, ici il y a quelques accessoires. Il y a des accessoires pour les M4. Il y a une banane qui me semble... pourrite, voilà, c'est comme ça c'est fait. On faut éviter de manger tout ce qui est les éléments, tous les aliments plutôt, qui sont pourris, pour vous éviter des indigestions. La dernière fois, je suis mort d'une gastro dans le jeu. Oui, je courais d'un coup, incautious. Mais qui tombe dans le coma. J'ai encore pu apprécier mon accent anglais, c'est juste magnifique. Alors, il n'y a rien à... ok, des calbutes. Ouh, ça par contre, ça c'est top. Ça c'est des bandages, alors je vais virer la pile.
Et théoriquement, je vais peut-être pouvoir les combiner. Voilà, c'est fait. Ok, là c'est un accessoire, ça ne sert à rien, il n'y a rien ici. C'est bizarre pour le moment que je tombe pas sur personne. La porte est ouverte là-bas, elles étaient fermées tout à l'heure, non? Va falloir faire gaffe, il va falloir peut-être que je commence à y aller un petit peu plus filou, un petit peu plus Splinter Cell, parce que là pour le moment je cours en plein milieu comme ça des champs. C'est vrai, je suis vraiment... Oh, le voilà, le sac et un 35 places. Ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment cool. Donc, go. On a pris le sac. On ressemble à rien. On dirait qu'on va partir en randonnée, là. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Des lunettes de sportif. Yeah. Ce Jackie. Alors, il y a des problèmes aussi avec l'accélération de la souris. Je vous dis un petit peu tous les problèmes qu'il y a. De toute façon, c'est une alpha. On est là pour reporter les bugs aux développeurs. Pour qu'au final on puisse avoir un jeu digne de ce nom, car je vous assure que ce jeu promet énormément pour une alpha. Certes, elle est à 24€, mais si vous l'achetez maintenant, bien entendu, vous aurez le jeu lorsqu'il sortira en version finale, vous n'aurez pas besoin de le racheter. Donc le jeu vous aura coûté 24€. Le problème, c'est que pour le moment, vous n'avez pas une expérience de jeu des plus sympathiques. Alors attention, là, la vidéo risque de prendre un sacré coup dans le buffet. Risque de me faire plomber le cul. Je préfère garder mon arme. Excuse-moi, je parle pas trop. Si on peut parler sur le jeu, il suffit d'appuyer sur cette touche. Pour verrouiller les majuscules. Et il va falloir vraiment que je me trouve de l'eau. Et le problème, c'est que il va falloir trouver certainement une canette dans ces bâtiments. Du moins, je vais prier. Sinon, je vais ressembler à un petit raisin sec après. Et là, franchement... Ah! Wow! Alors là, c'était un joli lag. C'est assez rare des gros comme ça. Il faut en profiter, les amis. Alors, il y a des baskets. Il y a un truc dessous. Une lampe torche. Et à côté, c'est quoi? Il y a des piles. Relève-toi! Relève-toi! Il essuie le carrelage avec son ventre. Déjà qu'il est assez sale. Alors, voyons voir ce qu'on trouve ici. Alors, les portes sont ouvertes. Je pense que déjà, les mecs se sont fait un plaisir de venir chercher. Il y a un marteau. On récupère. Ça pourra peut-être me servir à tuer du zombie. Il y a des pommes pourries. C'est vraiment bien chiant tout cela. Il va falloir que j'aille voir dans l'autre bâtiment en face. J'ai de la chance, j'ai spawn juste à côté d'un bâtiment militaire. C'est les endroits où vous trouvez certainement le plus de stuff intéressant. Bon, je prends ça, je prends tout. Franchement, j'ai de la place pour le moment. Je sais pas du tout si ça... Ouais, regardez, ça a été complètement... Il y a une banane... Merci de m'avoir laissé une banane toute molle, toute pourrie pour que je sope une indigestion. Avec les champignons des cèpes plein l'estomac. Alors attendez, laisse-moi regarder là-bas s'il n'y a personne. Ce mec est passé, certainement qu'il a dû choper pas mal d'armes. Ça me fait un petit peu peur. Est-ce que là-haut il y a quelqu'un? Non. Alors ne vous inquiétez pas si vous voyez des problèmes d'affichage. C'est moi qui ai voulu, c'est moi qui ai baissé un petit peu pour avoir pas mal d'FPS. Comme c'est pas mal bugué pour le moment, je préfère assurer le coup. Ok, là il n'y a rien. Regardez, des baskets. Sans quel état, elles sont nickel. Elles sont nickel. C'est des Adidas. Des Adidas. Allez, go. Go. Je pense qu'on va bien se marrer sur le jeu. Ne vous inquiétez pas, mon aventure ne sera pas... Je la ferai pas en solo. Et puis, comptez sur mon humour. Sur ma répartie et sur mon improvisation. Oh, God. C'est le mec de tout à l'heure que je vous ai dit que tout à l'heure j'ai dit que j'avais, je sais pas si je vous l'ai dit, mais je suis tombé sur un type que j'ai vu courir et qui avait un pied de biche dans le dos et un sac. Et ben le type le voilà. Je vais prendre le casque, mais j'évitera de peut-être prendre un headshot. C'est pas très joli de le voir comme ça. Est-ce qu'on, je pense que le corps a disparu. Ouais, bon, pas le corps est resté, mais le, alors savoir que les corps disparaissent assez rapidement normalement, enfin du moins. Les éléments qu'il y a sur le corps, les accessoires. Donc c'est pas bien grave. Je sais pas si, par contre, s'il avait de la nourriture, ça m'aurait été bien utile. Par contre, j'aime pas trop alors, un cadavre comme ça. Alors certes, j'ai une arme, mais l'effet de surprise risque de jouer contre moi, surtout s'ils sont plusieurs. Alors attendez, comme ça, il y a un truc là. Oh, il est endommagé. Je le prends pas. Allez, on y va doucement, on va se mettre en mode FPS. Je tombe sur un type. Mieux être rapide.
Et efficace. Ça, on récupère si je veux. Si je kidnappe un jour un joueur. Pour lui foutre du bandage sur les mains. Je sais pas vous. Mais je le sens mal sur le coup. Je sens. Il y a une arme. Il y a encore une autre arme. Je récupère. Je préfère tout récupérer, même si finalement ça me sera peu utile. Mais ça m'évite comme ça que les joueurs récupèrent des trucs et qu'après qu'ils viennent me plomber le cul. Alors dessus, il y a quoi? Est-ce que je peux le récupérer? Il y a des lunettes et. Je peux pas prendre les lunettes? Elles sont où? Elles sont là. C'est Ray-Ban. Ça. Tac! Voilà! Là, ça fait shérif. Attrape-moi si tu peux. Non, shérif, fais-moi peur plutôt. Shérif, attrape-moi si tu peux. Je sais, ça n'a pas dû exister alors. Oh, y a rien, y a rien. Il y a des sacs de partout par contre. J'aime pas trop ça, si vous voyez ce que je veux dire. 35, 35. C'est nickel. Vous voulez qu'on aille voir dans ces bâtiments là-bas? On va y aller, on va y aller. Et prions, sinon il va falloir que je retourne près de la côte pour essayer de trouver une maison pour pouvoir. On peut monter là? Allez, on monte. Peut-être qu'il y aura quelque chose de très intéressant en haut. Il y a une canette. J'ai bien fait de monter, par contre, je monte. On est vraiment à la merci d'un tir. Une canette! Eh bien, regardez, j'ai vraiment bien fait de. Par contre, je vais m'allonger pour éviter tout tir. Alors, attendez, je fais une petite vérification, même si la distance n'est pas. Il n'y a personne, il me semble. Il y a des maisons là-bas, d'accord. Donc, pour la bouffe, ça ira. Allez, on boit un coup. On boit un canon. Drink. Hop! Un petit canon. Et voilà, nickel. Et théoriquement, ah, peut-être pas. Je sais pas si ça va partir parce que ça fait un petit moment que j'ai soif. Et non, cet enfoiré, il a vraiment soif. Donc, c'est pas parti. Mais je me suis déjà un petit peu. Comment dire? Ma soif a diminué. Donc, alors, on va se lever. Enfin, du moins, ouais, elle a dû diminuer. Wow, 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 alors, faites attention, hein, parce que là, vous n'avez pas de barrière invisible. Vous approchez de trop près, vous tombez et vous vous pétez une jambe et vous pouvez mourir d'ailleurs. Parce que là, à cette hauteur, faut savoir que votre personnage, c'est pas Hulk. On va sortir notre arme de pistolet pour pouvoir faire face à l'imprévu. S'il y a quelqu'un qui ose me perturber durant ma vidéo, alors on descend. Et on va aller voir ce qui se passe du côté du bâtiment là-bas. Je vous avoue que je suis pas très rassuré. Hein. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais peut-être ranger mon arme. Et on y va. Ça sera d'être un petit peu plus. Ça sera plus dur si quelqu'un veut me tirer dessus. Que de courir lentement avec mon arme. Au pire, si je vois quelqu'un, je me mets à plat ventre. Je la sors ou je commence à lui dire hey, Bobby, tu te calmes. Par contre, s'il a une M4, je fais demi-tour de suite. Ou alors je me fous dans un buisson et j'essaie de faire du mimétisme en mode caméléon. Donc cette vidéo va durer aux alentours d'un quart d'heure, 20 minutes. Je pense d'ailleurs qu'on arrive vers la fin de la vidéo. Ça n'a pas été très long, mais c'était surtout pour vous annoncer que je me prépare à faire quelque chose d'assez sympa sur le jeu. En espérant que les développeurs tiennent ce qu'ils écrivent sur leur site officiel, c'est-à-dire des mises à jour régulières, surtout optimiser le jeu. Moi, ce que je demande juste, c'est voilà, une bonne optimisation du jeu, car pour le moment, le jeu est quand même bien sympa. Il y a un type. Vous l'avez vu, il y a un type. J'ai voulu parler, je me suis trompé de touche, donc on va prendre notre arme. Et on va essayer de... Pour une fin de vidéo, c'est top. Ok, il a dû monter. Alors là, préparez-vous à de l'action. On va voir s'il est de suite hostile avec moi. Il est passé par en bas. Putain, il a dû monter. Il est où? Ou alors il est dehors? Oh, que j'aime pas ça. Vous l'avez vu, hein? Vous l'avez vu? Putain, en plus avec l'accélération de la souris. Non! Don't move! Friendly? Ok, le gars, il a une arme.
Moi j'ai qu'un pistolet, je sais pas si c'est vraiment cool, il m'a dit que je pense que il voulait pas me plomber la gueule. C'est sympa de sa part, donc est-ce que... Ouais, je vais le laisser. Par contre, il m'a volé tout ce qu'il y avait là. Je sais que vous voulez que j'aurais dû le tuer pour récupérer son arme, mais voilà. Le gars était sympa, il était carrément en supériorité au niveau de la puissance de feu. Vous avez vu que il était quand même vachement bien équipé. Il avait une M4. Alors certes, il avait peut-être pas de balles. Moi, j'avais des balles, ça c'est clair. Ça aurait pu jouer, ça aurait pu jouer, mais il faut savoir que dans le jeu, il faut... Pantalon. Il faut savoir jouer un petit peu le respect, le RP, et ne pas non plus se montrer comme un gros barbare à tuer sur tout ce qui bouge. Alors certes, j'aurais gagné une M4, mais au final, j'aurais peut-être eu subi énormément de dégâts. Donc voilà, c'est vrai que j'ai été sympa sur le coup avec lui. Ne vous inquiétez pas, j'aurai l'occasion la prochaine fois, les prochaines fois, de dézinguer du type. Surtout qu'avec mon petit pistolet, avec le petit viseur, on va essayer de pas mourir en attendant. Il va falloir que je trouve vraiment à boire. Vous avez vu que mon dialogue... Alors je me suis trompé de touche, excuse-moi. Vous avez vu apparaître l'inventaire à l'écran alors que c'était la touche est juste en dessous pour pouvoir parler. Mais enfin voilà. J'espère que cette petite expérience sur Daisy vous aura plu. Le type, on va le laisser filer. Il a dû partir là-bas, mais comme j'ai déjà à peu près tout ramassé, il m'a pas trouvé grand-chose. Voilà, c'est les joies de Daisy de tomber sur des joueurs. Là, je suis tombé sur un joueur qui a été sympa. Je sais pas ce qu'il m'a dit, mon anglais est tellement mauvais. De toute façon, son micro, j'ai l'impression que même vous qui parlez couramment anglais, vous avez pas dû bien entendre ce qu'il a dit. Enfin voilà, il y a un petit casse. Alors regardez, on va terminer ici. Est-ce que mon casse est de mauvaise qualité, je crois? Ah non, il est nickel. Celui-là, il est pas tip top. Mais écoutez, on va se quitter ici, je récupère ça. Et pour une première vidéo, vous avez eu quand même pas mal d'actions. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit j'aime, un petit commentaire à me rejoindre sur Facebook qui a dû apparaître au cours de la vidéo. Et quant à moi, je vous dis à très très vite sur ma chaîne pour de nouvelles aventures, que ce soit sur DayZ ou sur d'autres jeux. Allez, à très vite tout le monde.